Et on va voir notre fameux ami le pêcheur. Qui va nous dire que le marché du bateau se porte mal. Bien sûr que non. Le marché des bruits. On m'a dit que vous étiez un bon. Vous voulez jouer? Oui, je veux jouer. Je suis toujours mon ami. Partant pour jouer. Après avoir pas mal voyagé. Alors, j'ai une question. Et hop, on pioche deux cartes. On lui met un petit froid mordant. Voyons ce qu'il a dans le dans la jugeote. Voyons s'il a un petit peu de jugeote. Histoire de lui faire comprendre qu'on n'est pas son pote. On lui met voilà ça, du coup on a 7 à 8, on comble le déficit avec notre adversaire, même si là il nous donne des points gratos, c'est bien. Sachant qu'il a pioché deux cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Moi, j'aimerais bien lui mettre rien du tout et arrêter la partie maintenant. Mais on va enlever tous les effets, histoire de revenir à égalité. Alors, 16-16, on passe, voilà. Histoire de le laisser tranquille. On va reprendre celui-là. Non, ça va donner 9 points. On va plutôt mettre ça. Voilà. 11-10. 11-10, on a peut-être une chance de gagner. Ah putain, il sort une légendaire à ce moment-là, quoi. Va falloir combler le déficit, hein. 4 points de retard, il a passé, on peut gagner. 4 points de retard, on peut gagner. On a des cartes de niveau 5 qui rapportent 5 points, donc 20-20, on a perdu. Je pensais qu'en faisant égalité, on aurait peut-être une chance, mais non. Bon, ok, d'accord. Vous avez perdu, mais... s'effondra au beau milieu du marais. Des paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Et donc vous... Vous utilisez bien sûr le bruit extra. On m'a dit, vous voulez... Je suis... Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ouais, ça va, on n'a pas un jeu dégueulasse. On n'a pas de pioche, c'est relou. Essayer de nous écraser dès le début, j'ai l'impression. C'est pas cool.
4, on va lui laisser la manche de toute façon. Donc 2-0 on gagne, c'est réglé. On lui met voilà dans les dents, on l'attaque très agressif dès le début pour pas laisser prendre trop d'avance. Et maintenant il nous met des cartes qui font mal, nous on va lui mettre aussi des cartes qui font mal, hein. On en a plus que lui de toute façon, sauf que non, c'est lui qui en a plus que nous, je plaisante. D'accord, 7 à 5, c'est chaud, normalement on a perdu, mais bon, on peut peut-être tenter le coup, hein. En plus on a deux cartes météo, bon ouais, c'est mort, allez hop, on va laisser peser, il a gagné, on peut abandonner, on va quand même jouer histoire de terminer la partie, hein. Et les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Ça suffira jamais. Je sais pas comment il va faire, mais... bien eu. Vous avez perdu, mais... Épuisé et blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Des paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Vélène. Une femme veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Vous utilisez du bois de bien sûr. Le marché. Oui, et. On m'a dit. Je suis. Lui mettre sa misère là parce que c'est long. Ouais, d'accord. Et il attaque dès le début, il double ses points, nickel, super. Et j'ai pas de froid mordant pour pouvoir l'en empêcher. Là on commence vraiment une partie catastrophique. Il a faim, hein. Il a très très faim. Mec, il blague pas du tout, quoi. S'il faut rester, c'est. Là, on a une carte de plus, hein. On pourrait le laisser gagner. Il saurait être tranquille. Là, faut prendre l'avantage. Il y a 3 cartes, j'en ai 3. Il y a quoi? Il y a 10 points à 11. On va lui mettre L.
Comme ça. 15 à 10. Ah putain, non, mais non! Quel relou! Oh, c'est mort. 20-20. Peut-être une chance là du coup puisqu'on a gagné. Allez, courage, on a gagné. Ouh, c'était chaud, on a réussi. D'après les règles, la carte m'appartient. Ouais, en effet. Ma foi, j'ai l'impression que vous pourriez être de taille on à affronter Adi. Les gens se fichent de lui parce qu'il est on jeune et con. On a réussi con, les joueurs de Vélène. Vous êtes tenir tête vous avez au reçu 25, c'est cool. On gagne pas à tous les coups, mais ça rien n'empêche d'essayer. Ben Alors, il a rien d'intéressant. L'achat en vue ? Oui. Et on peut pas le. J'ai très volontiers un coup d'œil. Si, allons-y. On le combat au Gwent. Je me souviens plus si j'ai. Non, je l'ai pas combattu encore celui-là. On va le défoncer facile, je pense. Allez, on l'écarte, c'est bonjour. Bon. On peut y aller. Je ne dirais pas non à une. Direct, on le fait piocher. Il nous la récupère, ok. Il va nous récupérer deux cartes derrière. C'est pas grave, on sera à 11 à 11. Ça sera... La bataille sera encore plus épique. Il nous en reste deux de toute façon. On en avait deux en tout, je veux dire. Ça en récupère. En plus, on récupère encore un. Voilà, vas-y, on voit le gros. Je récupère le gros. On va le défoncer. Il a 12, il a 10, il a passé. Nous, on n'a pas joué, il nous reste 12 cartes. J'ai envie de dire, je veux te laisser gagner, mais bon, je sais pas, ça vaut le coup de le laisser gagner. On va quand même mettre quelques cartes pour voir si on peut faire quelque chose. Ça serait con de le laisser gagner pour rien. Allez, on passe. Passons. Il a 11 cartes, j'en ai 11. Et il a passé. Comme ça, on repioche 2 cartes. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on a du point. On peut mettre les. Oh, allez, ouais, je sais pas. Moi, ouais, je mettrai les petits 1 là, les petits troufions là. Allez hop, on va. On a perdu. Bon, ok, on recommence.
blessée, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme. Allez, c'est reparti, on choisit les cartes, on y va. Pour Novigrad. Let's go. Bonjour. On sait sa race. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Tu vas piocher, je vais piocher maintenant. Allez, une carte d'avance. Espérons qu'il ait pioché de la merde. À 0 et on a 9 cartes. Oh là là, il va faire mal là, au prochain tour il va faire très très mal. Je pensais que c'était un mec minable mais en fait non. Il veut vraiment nous défoncer hein. Bon là il a mis le paquet hein. Je sais pas comment on va pouvoir faire. 42 il a. Oh là là. Et ça continue. On a perdu, on se casse. On va recommencer. Le mec est passé à Domazo quoi. Épuisé et blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Bonjour. Je ne dirais pas encore que de la merde, mais bon. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein. Thank you.
merde. Bon, on va essayer de le faire chier un minimum. Ce serait bien qu'on puisse envoyer, voilà, celui-là. Allez, vas-y, joue, dépêche-toi. Non, il a passé, c'est bon. Voilà, une petite carte de merde. Hop, toi, tu vas aller au combat. C'est parti. Tu vas au combat, tu vas mourir. Ah là 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 là. Donc il nous a... On a mis brouillard, froid mordant exprès. On va lui mettre, voilà, un autre brouillard comme ça. Tout ce que tu joueras, ce sera de la merde. Et il s'adapte bien. Hein. On va placer nos cartes déjà qui vont nous rapporter des points. On placera le reste en fonction de ce qu'il va mettre. 14, ok. Pour l'instant, c'est pas extraordinaire en face. Voilà. On va mettre lui parce que de toute façon, il perdra pas beaucoup de points. Oh, ça double les points déjà, ça double les points. C'est pas cool. 22 à 13. Aïe aïe aïe. Il a 8 cartes, j'en ai 5, hein. Il en a 3 d'avance, c'est chaud. Il en remet ça en plus. Enfoiré. C'est un enfoiré ce type. Ouais. C'était foutu d'avance, on repart à 0. Lui, il est un certain level difficile à défoncer. Épuisé et blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Des paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Vélène. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Bonjour. Je ne dirai pas non. Bon, allez, dernière partie, après on fera peut-être autre chose. On est en train de se faire défoncer, mais par tous les côtés, c'est un truc doux. J'ai 8 cartes, il en a 7. Peut-être qu'on a une chance. Mais non, donc je vais récupérer celle-là au cas où quand même. Et je vais mettre un petit brouillard. Et je pense que 6-6 ça devrait le faire. Voilà, égalité. On a 7 cartes, il en a 7 et on en récupère une. Voilà, on récupère celle-là. C'était bien joué quand même. Hein. Là, c'était bien joué. Oh non, il refait la même. Il joue miroir, le mec. Il joue miroir, il en a rien à péter. Mais il nous donne de 5 points, il pioche 2 cartes. Ok, bon, bah ça compense. Hein. Ça compense. Sachant que moi j'ai le combo de la folie. J'ai perdu une carte. Bon, on va jouer le combo, on n'a pas trop le choix maintenant. On joue le tout pour le tout. Il va nous sortir la légendaire, non ? Non. C'est dommage, j'ai pas de charge. Bon, 31-11, il y a quand même 20 points d'écart là. Si là, il va mettre 20 points en 30 secondes. C'est le champion du monde de Gwent dans Vélène, mais il le sait pas encore.
38. Ah non! Heureusement que je l'ai gardé. Heureusement que j'ai gardé l'effet météo qui remet le beau temps. Temps dégagé. Voilà, tu dégages. Et je passe le tour parce que je n'ai plus de carte. Il me reste 3 cartes. Un brouillard. Donc on passe à 18-30. Il remet un temps dégagé, je ne sais pas pourquoi. Il met un temps dégagé une deuxième fois. Super, le mec il a tout compris au jeu. Et enfin il pioche 2 cartes, mais il me donne 4 points. Donc il faut qu'il mette 10 points là. 20 points je veux dire, 20 points en 2 cartes. C'est fini, on a gagné, yeah, on a gagné, on lui a pété les dents. Il est content, nous sommes contents, on a pris ses sous. Et on se tire avec une nouvelle carte. Qui sera Escarmoucheur nain. D'accord, super. Alors il faut aller voir ce que c'est. Escarmoucheur nain. Donc c'est pas une nouvelle carte, voilà, c'est une nouvelle carte pour les Scoia'tael, super. Un truc qui me vachement utile. Pour l'instant ça ne sert à rien en fait, les autres jeux. Ça je comprends pas, c'est qu'ils s'obstinent à nous donner des cartes dont on n'a pas besoin, qui font qu'on a des jeux tout pourris. Je comprends pas pourquoi les développeurs du jeu se sont obstinés à faire cette connerie, de donner les cartes au hasard. Non, pas au hasard. C'est tu me donnes les cartes qui correspondent à mon jeu que j'utilise et puis c'est tout. Ah là là. Bon allez. On avance. On va voir le forgeron. Au revoir monsieur le forgeron. On sauvegarde. Et il a rien à nous proposer ici. Si, non. Ah si ça y est. Qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Des perles. Ok. Du moment que le bon est pas mal. S'il a filé ses pieds sous terre, il aurait pas dû jouer. Il aurait pas dû jouer les héros, pas le mec. Ouais. Adieu.